Aller courir, c'est pour ça que j'ai les cheveux tout mouillés. En ce moment je cours entre midi et deux, enfin entre 13h et 14h. Ça me fait beaucoup de bien et comme le soleil se couche de plus en plus tôt, je peux plus trop courir le soir, sinon il fait nuit. Donc ce matin vous avez pu voir un petit peu ce que j'ai réalisé en termes de couture. Donc voilà, j'ai pas eu le temps du coup de vous souhaiter la bienvenue sur ce premier vlog atelier. J'ai décidé de faire de temps en temps des petits vlogs sur ce que je fais à l'atelier. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça me plaît bien de me lancer là-dedans.
Sinon, donc là, je vais faire de la couture. Donc, j'ai épinglé, j'ai brodé ce matin. Je peux vous montrer ce que j'ai brodé du coup. Alors, j'ai brodé donc ce papa, donc dans un fil un peu marron glacé. Donc voilà, sur de la gabardine bleu marine. Donc ça ira sur un sac polochon. J'ai également brodé cette jolie couronne dorée, donc fleurie, qui ira également sur un sac polochon. Donc j'ai coordonné en fait le tissu, pardon, la broderie avec le tissu qui ira avec. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, ce sera ce tissu qui sera sur les côtés du sac. Donc du coup j'ai coordonné, j'ai, vous voyez, on peut retrouver le orange et le violet foncé. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. Donc du coup j'ai tout ça, j'ai ça à coudre. Donc là il me faut surpiquer ici de chaque côté des fermetures, donc ce sont des petites trousses. Donc là j'en ai plusieurs, j'en ai quatre. J'ai une banane également à coudre, et je vais vous montrer à peu près après, puisque là je suis en train de coudre également les doublures pour les saxos. Ce seront des nouveautés du coup de cette année. Donc voilà, je vais aller m'installer à la machine et je vais coudre tout ça et je vous retrouve après. Bon, ça y est, j'ai fini de coudre tout ça. Donc du coup, je vais enlever les épingles, je vais retourner ce qu'il y a à retourner. Et ben ensuite, je vais réépingler, soit repasser si besoin. Donc c'est parti, on y va. Avec une petite licorne que vous avez vue normalement. Donc un petit sac qui pourra se porter sur le dos grâce aux petites anses ici où je vais passer un cordon. Donc là il manque la doublure donc qui est là, qui est comme ceci. Donc là je vais insérer le sac dedans. Voilà. Mettre ça un peu plus du coup, sinon j'ai peur qu'on ne voit pas grand chose. À bientôt. Voilà. Là on se voit un peu plus. Donc du coup je vais mettre la doublure à l'extérieur, endroit contre endroit, et ensuite je vais venir coudre tout autour. Donc là je vais épingler le tour et ensuite j'irai coudre pour fixer la doublure avec le tissu extérieur, et je vais ensuite retourner et faire une coulisse pour passer le cordon. Voilà, donc là je vais épingler tout le tour, c'est parti. Voilà, il est épinglé, je vais faire une piqûre tout le tour et je viendrai ensuite le retourner. Alors on a ensuite ça, donc ça va être un saxo. Donc là on voit pas grand chose, ça c'est ce sera à l'intérieur. Ici il y aura une grande poche à l'intérieur du sac. Donc voilà, donc là en fait faut que je mette le fond du sac qui est là. Du coup c'est ce que je vais faire, je vais le fixer ici, donc avec des pinces cette fois-ci, des pinces comme ceci. Parce que le tissu c'est une suédine, donc c'est très très épais. Donc du coup si je mets des épingles je vais me faire mal. Donc je préfère mettre des pinces.
Je sais plus si je vous ai dit, ce sera un sac seau. Donc c'est un petit sac avec une base un petit peu arrondie sur les angles. Et surtout le haut en fait. Sur le haut, il y aura des œillets tout autour. Je vais passer ensuite un petit cordon. Il se refermera justement en tirant sur les cordons. C'est un nouveau prototype pour la boutique. Donc du coup là, je vais absolument essayer dans une suédine, puisque c'est un tissu que j'avais jamais encore cousu et que j'aime beaucoup au niveau du rendu. Je trouve ça très sympa. Hop, donc là vous voyez, voilà. Ensuite ça, ce sont les doublures des sacs seaux. Donc celui que je vais vous montrer en suédine, il n'aura pas de doublure, puisque j'ai voulu faire, en fait il a une, je ne sais pas si vous avez vu, il est bicolore en fait. Donc du coup je me suis dit que ça serait sympa de pas mettre de doublure pour avoir le côté or à l'intérieur. On verra, c'est un test, donc on va voir ce que ça donne à la fin. Donc là, je retire les épingles de ma doublure. Et vous allez voir, ensuite, je vais la retourner. Ça vous donnera une idée de ce que ça va rendre. Donc voilà. Donc là, on a le saxo, en fait, ce sera l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y aura des poches, comme ceci, tout autour, parce que je trouvais que c'était sympa d'avoir des poches tout autour. Donc là, je vais le remettre dans l'autre sens, puisque dans le sac, il sera comme ceci. Donc voilà, donc maintenant, on va le mettre. L'extérieur est ici. Là, je m'aperçois que j'ai une couture qui est mal faite. Donc, je vais aller reprendre ça. Et je reviens ensuite. Vous voyez, il y a un trou ici. Donc, il faut que je fasse. Donc, voilà, je suis allée recoudre le petit trou. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent, surtout avec le jacquard. Donc, c'est un tissu qui s'effiloche énormément. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai... surjeter donc les bordures du tissu, c'est-à-dire que j'ai appliqué en fait avec ma surjeteuse une espèce de fil qui va former une chaîne à l'extrémité et qui va empêcher le tissu de s'effilocher. Donc là voilà comment il sera. Ici vous aurez tous les œillets et du coup il se fermera comme ceci. Ça fera un petit sac comme ça. Bon, ça fera... Voilà. Donc là, du coup, je vais glisser ça à l'intérieur de la doublure. Et ensuite, je coudrai tout le tour. Je pourrais pas les finir maintenant, puisque... Bon, dans tous les cas, après, il faudra que j'aille chercher ma fille à l'école. Mais en fait, il me manque les œillets. J'en avais commandé, mais pas assez. Donc du coup... j'en ai commandé une centaine qui devrait arriver normalement d'ici la fin de la semaine, j'espère. Donc une fois que je les aurai reçus, je pourrai poser les œillets. En fait, j'avais commandé des œillets, là, mes premiers œillets, sans commander l'outil qui allait avec. Donc soit pour poser des œillets, vous pouvez faire le trou au ciseau. Ça prend énormément de temps, sinon vous avez des outils spéciaux en fait qui font, donc vous tapez avec un marteau sur un comme un stylo en métal où au bout il y a un petit rond, et donc en tapant avec le marteau en fait ça va faire une marque qui va permettre de détacher le rond de tissu dans lequel vous allez ensuite insérer le. Et moi j'avais pas cet outil, donc du coup c'était un peu galère. Donc là je l'ai commandé, je devrais bientôt le recevoir. Donc là j'épingle du coup tout le tour. Et ensuite je vais peut-être remonter un peu là mon truc. Hein. Bon là du coup vous verrez rien. Il faut que je le baisse un peu.
Voilà, on se voit un peu mieux. Donc, j'en étais où là? Donc ensuite, là, je vais être en vacances pendant... Enfin, en vacances. Je vais essayer de continuer mes commandes de temps en temps, mais du coup, les enfants ont leurs vacances. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc du coup, ce vlog ne sera pas très très long, mais ça pourra vous donner une petite idée de ce que je fais au quotidien. Donc là, c'est pareil, on a la deuxième doublure pour le deuxième saxo en jacquard. Donc c'est pareil, je retire les épingles et c'est parti. Les saxos c'est bon. Ensuite, donc là en fait j'ai désépinglé les doublures de mes sacs en bandoulière. Donc vous voyez, il y aura des poches comme ceci dedans en jacquard. Et malheureusement, je peux pas encore les finir parce qu'il me manque le passepoil pour faire le tour de la partie extérieure. Donc là, vous verrez pas grand chose. Je vais les mettre de côté d'ailleurs. J'ai mis derrière. Je peux vous montrer ce qu'il y aura dessus. Donc ça, en fait, ce sera le devant du sac avec une poche en jacquard. Et ensuite, on aura un rabat, en fait. Donc ça, c'est l'autre sac. Du coup, on aura un rabat, en fait, comme ceci. Donc là, il faut encore que je mette du passepoil tout autour. Et donc, il y aura du passepoil également ici. Et donc, comme je ne l'ai pas encore reçu, j'ai pas pu continuer ce sac. Donc là, j'ai terminé les doublures. Il manquera en fait le passepoil à mettre au niveau du rabat et des côtés du sac. Et ensuite, je pourrai assembler tout le sac. Alors ensuite ici on a un sac banane, donc du coup vous voyez j'ai fait la première partie qui sera comme ça, hop, avec les deux curseurs ici. Donc là il manque en fait la doublure, enfin non, la doublure est de ce côté, il manque le dos, toute cette partie ici. Donc là c'est ce que je vais faire, donc j'ai déjà cousu la poche qui sera à l'intérieur ici, donc vous voyez il y aura trois petites poches dedans. Et donc ça, je vais venir le coudre sur le dos du sac banane. Non, je me suis trompée. En fait, d'abord, il faut que je mette ces petites parties-là de chaque côté. Donc voilà, c'est la partie qui manque pour fixer les manches ensuite. Donc là, je suis en train d'épingler ça. Il faut coudre ça avant de coudre en fait le dos du sac. Désolée pour la petite erreur. D'ailleurs, il faut bien épingler. Il faut coudre à 1 cm de chaque côté pour laisser de l'espace. Et pour pouvoir en fait que la... Pour que la doublure soit indépendante du tissu extérieur. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, donc ça on met de côté. Et ensuite, bah, j'ai mes petites trousses
Donc là, comme vous avez montré, j'ai fait une surpiqûre de chaque côté, ici et là, pour bien maintenir le tissu en dessous de la fermeture. Et il faut que je mette des petits bouts de ruban doré, en fait, pour pouvoir tenir la trousse quand on la dézipe. Donc je vais couper ça. J'ai 4 trousses, donc il m'en faut 8 morceaux. Voilà, donc là, j'ai coupé tous mes petits morceaux de ruban doré. Voilà, en fait, c'est un billet, moi, que j'utilise. Un billet doré que je trouve vraiment très joli. Donc là, je vais venir, en fait, placer ça au bout. En le repliant. Avec une petite pince. Voilà, et je vais venir coudre ici, sur le bord. Et je fais ça, du coup, de chaque côté, pour chaque pochette. Tout ça. Donc là, j'ai tout mis ici sur mon chariot. Je vais aller coudre tout ça et puis on se retrouve juste après. Bon, alors j'ai fini de coudre du coup. Par contre, là, je suis en train de découdre parce qu'en fait, ça me plaît pas. Et il y a trop d'embûches là. Du coup, ça faisait des plis et du coup, je pense que je vais mettre un passepoil pour faire une belle délimitation de l'empiècement du bas. Par rapport à la pièce, du coup, je suis en train de découvrir toute la partie du fond. Et je vais attendre, enfin, je vais passepoiler du coup la partie du bas. Ensuite, donc là, je suis en train d'enlever les épingles donc sur le petit sac que je vous ai montré tout à l'heure avec la broderie licorne. Donc, je vais ensuite retourner le sac. Et vous verrez un petit peu le rendu. Il me restera ensuite à faire la coulisse, à coudre la coulisse en haut du sac et à glisser le cordon. Et après, c'est fini. Donc là, je suis en train de faire un trou pour pouvoir sortir le sac. Donc là, hop, je sors le sac. Tac. Donc là, on a la partie doublure et en dessous, on a la partie extérieure. Voilà. Donc là, en gros, je vais recoudre le petit trou ici. Et ensuite, je vais glisser ça à l'intérieur comme ceci. Donc voilà. Donc ça, vous voyez, sera la doublure. Hop. Ensuite, je vais coudre la coulisse ici, passer les cordons et ce sera terminé. Donc là, du coup, je vais laisser comme ça puisque je vais devoir recoudre le petit trou que j'ai fait. Ensuite, bah là, on va retourner du coup... Non, je vais d'abord surjeter, pardon. Il va falloir que je surjette toute cette partie-là puisque le tissu jacquard a tendance à s'effilocher. Donc je veux vraiment consolider les coutures. Parce qu'au fur et à mesure du temps, même si les coutures ne se voient pas, elles sont à l'intérieur. Les bords des tissus sont à l'intérieur du sac. Je veux vraiment que le sac reste solide dans le temps. Donc je vais passer un petit coup de surjet. Donc je vais finir d'épingler les deux. Il faut bien enlever toutes les épingles parce que la surjeteuse n'aime pas du tout les épingles. Et j'ai déjà cassé mes lames de surjeteuse. Parce que j'avais laissé des épingles sur mon tissu. Donc il faut vraiment faire super attention. Hop. Donc j'enlève tout ça. Et puis après je vais passer un coup de surjet. Donc voilà, je vais mettre juste derrière là pour faire ça.
c'est fait, vous voyez, j'ai du coup ce petit fil qui fait tout le long et qui empêchera le tissu de s'effilocher. Donc là, je vais retourner les sacs comme je l'ai fait pour le sac précédent. Donc, je vais retourner de ce côté. Non, il faut que je retourne plutôt sur le bas. Je pense. Je vais retourner sur le bas. Ça va être plus simple. Donc là, du coup, je fais mon petit trou. À l'aide du découvite. Alors, il y en a qui utilisent d'autres techniques. Hein. Il y en a qui font juste un arrêt de couture qui ne cousent pas sur une certaine distance. Et ça fonctionne très bien aussi. Est-ce que je suis dans le bon sens? Ah non, c'est bon. Donc là, on va retourner le sac. Voilà, c'est beau. Donc là, c'est le petit trou qu'il faudra que je recouse. Et donc, si on rentre la doublure dedans, voilà notre petit sac qui se fermera à peu près. Ça comme ça. Comme ça là, voilà, ce sera un joli petit sac saut à peu près de cette forme là. Donc voilà, donc du coup je vais faire comme l'autre, et oui, et puis il y aura toutes ces poches tout autour là du sac, donc ça va être hyper pratique pour ranger ses affaires. Il y a des poches vraiment tout autour. Donc voilà, donc du coup là on va finir de coudre ce petit trou et ensuite on viendra repasser sur piqué tout autour. Donc là, je vais faire la même chose avec celui-là. Je vais faire une ouverture. Je regarde l'heure qui tourne en même temps. Ouais, je pense que ça suffit, on va retourner ça. Faire attention de ne pas laisser des bandes parce que ça m'arrive assez souvent. Heureusement, je m'en rends compte à la fin. Bon, de toute manière, quand je manipule, je sens les épingles. D'ailleurs, souvent, je me pique les doigts. Donc voilà, celui-là, c'est pareil. On raccoude le petit trou. Hop. Ensuite, donc j'ai la banane qui a bien avancé, donc je vais enlever les épingles et ensuite je vais pouvoir épingler le dos. Donc ça, c'est la dernière étape. Hop. C'est bon, je vais venir couper là ce qui dépasse. Je vais recouper la fermeture là. Hop. Donc voilà. Donc là, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté les petits bouts là en plus. Et donc maintenant, je vais pouvoir épingler ça, la partie de la doublure. Et je vais faire pareil ensuite pour la partie extérieure. Donc, je vais épingler ça et je vous retrouve ensuite. Donc ça y est, du coup j'ai épinglé mon sac banane, je vais le coudre. Et là, donc du coup, il me reste toutes les petites pochettes. Donc j'ai mis le ruban ici pour pouvoir attraper la trousse quand vous tirez la fermeture éclair. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre endroit sur endroit de chaque côté de la trousse.
épinglé tout ce que j'avais à épingler. Donc voilà, ce vlog va se terminer là, puisque ensuite il faut que je prépare le goûter de mes enfants et que j'aille les chercher à l'école. Donc j'espère que ça vous aura plu, partager un petit peu mon quotidien à l'atelier. Et bah, j'espère vous retrouver bientôt pour une vidéo. Je ne sais pas encore quand, mais d'ici là, voilà, portez-vous bien et à bientôt.